plaisir personnel, évidemment, il y est parce qu'on a travaillé longtemps là-dessus, mais le plaisir, c'est de voir surtout l'usage qu'on en fait, voir les gens qui sont ravis. En ce moment, c'est la semaine du festival, donc c'est la version cinéma, on est en configuration cinéma. Mais d'entendre les gens, quand ils sortent, dire qu'ils sont contents du lieu, confortable, l'image impeccable, tout ça, donc c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ça fonctionne. La difficulté principale, c'était de trouver un compromis, parce que une salle de cinéma n'a pas les mêmes contraintes qu'une salle de spectacle vivant. Il fallait qu'on trouve absolument le compromis au niveau acoustique, au niveau scénique, confort des spectateurs, l'éloignement par rapport à l'écran, la disposition des sièges pour que tout le monde puisse voir et l'écran et la scène. Donc on a travaillé avec les associations, avec l'architecte pour arriver vraiment à quelque chose de satisfaisant pour tout le monde. C'est 240 places la jauge, c'est 100 mètres carrés de plateau scénique, on a un certain nombre de lumières, etc. On ne peut pas plus que ce qu'on a. Et si un jour une compagnie a une fiche technique trop imposante, eh bien on dit non, attention, on ne peut faire qu'avec ça, donc il faut ou c'est oui ou c'est non. On ne signe pas le contrat tant qu'on n'est pas d'accord. Il y a des concerts avec Musique Cambourienne qui font leur festival la semaine prochaine et ils vont profiter de cette salle pour vraiment faire des concerts classiques. Il y en a 3-4 programmés dans la saison culturelle. Vraiment bien, très bien. Ça, on est très content d'avoir ça. Ça rajoute une couleur supplémentaire qu'on n'avait pas la saison passée parce qu'effectivement, ce n'était pas prêt. Il y aura du cirque, il y aura de la danse contemporaine, du théâtre évidemment. Enfin bref, on touche à toutes les disciplines. C'est-à-dire que c'est un spectacle tous les 15 jours. Comment ça... Alors le spectacle dure une soirée. Non, mais d'accord, oui. La programmation oui. Régulière, c'est combien Je ne sais, j'ai plus en tête le nombre. Il y a une manifestation tous les 15 jours, un spectacle. Ah, pratiquement, oui. Ah oui, facile. Même des fois, tous les 8 jours, toutes les semaines. Ah oui, mais vous faites quelque chose, là ? Là, je suis en train de... Ah, c'est pas grave. C'est pas un incident technique. C'est, en fait, on regarde à l'échelle de la communauté. C'est 15 communes, déjà, le territoire. Mais... Ça fait combien d'habitants ? 5500. C'est, après la Bastide-Murat, c'est la plus petite du Lot. Mais on est très content d'être comme ça, pourvu que la loi nous permette de durer à ce niveau-là, ce périmètre-là. Mais ça, c'est un autre débat sur les grosses communautés de communes qui pensent, avec une approche comptable, faire des économies alors que rien n'est prouvé jusqu'à maintenant. Voilà, enfin, en tout cas, nous autres, on prouve qu'on peut maintenir dans une communauté de communes petite, on peut maintenir des services, en créer et créer aussi une activité culturelle. En fait, le but, ce n'est pas de dire, voilà, on va mettre le flambeau pour dire on a fait ça. Le but, c'est pour rendre attractif un territoire. Mais au-delà de la communauté de communes Casal-Salviac, c'est aussi le département. Ici, on est en milieu rural, il n'y a pas d'activité économique majeure, je veux dire. C'est artisanal, c'est des petites entreprises. La culture est un pan économique important. On l'a prouvé, il y est, et ça contribue à développer ce pan économique. Mais en même temps, c'est rendre attractif le territoire. On veut attirer des médecins, on est en train de travailler sur un centre de santé, là, sur la communauté de communes, et dont le siège sera à Salviac. Qu'est-ce que c'est qui attire les médecins? Qu'est-ce que c'est qui attire les cadres? Qu'est-ce que c'est qui attire les prestataires? Eh bien, c'est le contexte, les écoles, la médecine, la culture. Quand le sous-préfet est arrivé et que je lui ai mis la programmation culturelle entre les doigts, il a dit « Ah, il se passe quand même quelque chose. Allez, c'est pas Bordeaux, mais on peut quand même voir des choses intéressantes. » Il était très content. C'est un peu provocateur. Et ça, la culture, elle l'est. Et si la culture ne bouscule pas un petit peu, ne remet pas les codes en question, c'est pas la peine. En fait, on a voulu mettre ce nom-là parce que déjà l'arsenic, ben, tiens, on l'aurait appelé... la salle de Gendou, ça n'avait aucun intérêt, malgré le respect que j'ai pour Gendou. Mais arsenic, c'est un clin d'œil à Capra, arsenic et vieille dentelle, pour le cinéma. Mais en même temps, ce sont les arseniques, hein, le spectacle vivant, ce sont les arseniques. C'est pour ça qu'on a mis arsenic avec un accent sur le « e ».